Comment l'Occident a volé l'âme du peuple noir? C'est le sujet de cette vidéo. Les soufis ont l'habitude de le dire. Toute âme est innocente, mais c'est la conscience de l'homme qui peut être corrompue. Les informations formatent la conscience. Les informations conditionnent la conscience. Et la conscience détermine les comportements. Alors, que vaut une personne dépourvue de son âme? Eh bien, les noirs sont méconnaissables aujourd'hui. Seulement un noir sur sept est bon. Alpha Blondy l'a dit, les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Figurez-vous, au cours des années 2022 et 2023, le richissime homme du Nigeria, Aliko Dangote, a recruté des Indiens pour remplacer les cadres africains dans toutes ses entreprises. Il a viré tous les Africains, y compris ses propres compatriotes du Nigeria. Vous voulez savoir pourquoi? Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Mesdames et messieurs, voici comment et pourquoi Aliko Dangote a viré tous les cadres africains de ses entreprises. La raison est simple. Ses employés africains avaient mis en place un système de vol et de détournement des fonds. Oui, ses employés africains avaient mis en place un système de vol et de détournement des fonds. Des directeurs généraux aux gardiens, tout le monde volait. Quand Aliko Dangote a découvert ce grand complot organisé par ses compatriotes, il les a remplacés par des cadres indiens qui sont plus chers que les cadres africains. Chaque cadre indien a droit à un véhicule de fonction, une maison meublée, une femme de ménage, un gros salaire. Par contre, les Indiens travaillent. Et il protège la fortune de Dangote. Alors, chacun de nous peut être chef d'entreprise demain. Quel chef d'entreprise aimerait voir son argent, sa fortune disparaître parce que tout simplement, dans ces entreprises, il n'y a que des voleurs? Eh bien, la vérité est amère, mais le constat est là. Ici en Côte d'Ivoire, dans la ville de Issia, le chef de gare d'une grosse compagnie de cars s'est fait virer de la société parce qu'il avait mis en place un système ingénieux de vol. En quoi cela consistait? Eh bien, il fait venir d'autres camions, il laisse les camions de son patron, il laisse les cars, n'est-ce pas, de son boss. Il laisse de côté les cars de la société qui l'emploient et il fait venir d'autres camions. Il fait monter les passagers dans ses camions, il charge ses camions et paf, ces camions prennent la direction, ils vont là où ils doivent aller. Chaque jour c'était comme ça. Au lieu de charger les cars de son patron, de sa société. Non, il fait venir d'autres camions, il les charge et ils s'en vont. Quand le patron a découvert son système, tout simplement il a viré. Et l'un de mes amis a été choisi pour le remplacer. Et figurez-vous, chers followers, mon ami qui a été choisi pour remplacer l'ancien chef de gare voleur, le premier mois, il a versé 40 millions de francs CFA
Alors que, d'habitude, l'ancien chef de gare qui a été viré, il a envoyé, il déposait 20 millions de francs CFA. Cela veut dire que, cela signifie que chaque mois, l'équivalent de 20 millions disparaissait. Il y avait un manque à gagner de 20 millions de francs CFA. Comment pouvons-nous faire avancer nos sociétés avec des voleurs comme ça? La vérité est amère. Regardez nos diplômés. Ils vont étudier chez les Blancs. Les Blancs leur donnent la connaissance. Les Blancs les aident à prendre le pouvoir d'État dans nos pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils payent nos richesses. Ils donnent à leurs parrains blancs un quota qui vaut la part du lion. Et c'est comme ça que nos États, nos pays s'appauvrissent chaque jour. Alors, tous les chefs d'entreprise en Afrique doivent faire extrêmement attention. Chacun est interpellé. Un noir, mesdames et messieurs, un noir sur sept est digne de confiance. Oui, seulement un noir sur sept est digne de confiance. Un noir sur sept, c'est que l'homme noir n'a pas de leçons à recevoir des blancs. Le reste est complexé. Seulement un noir sur sept, c'est que le vol est un acte honteux et indigne. On vole et on est fier de voler. Oui, en Afrique, on vole et on est fier de voler. Et tout le monde trouve cela normal. Quand tu recrutes en Afrique, toi les patrons, tu as confié ton entreprise à Ali Baba et ses 60 voleurs. Oui, quand tu recrutes en Afrique, toi les patrons, tu as confié ta fortune, tu as confié ton entreprise à Ali Baba et ses 60 voleurs. La préoccupation première de tes employés sera la mise en place d'un système de vol et de détournement. Et du jour au lendemain, tu es ruiné et tu ne comprends pas le pourquoi et le comment. La conscience professionnelle n'existe pas. Que s'est-il passé? Et puis, les Noirs sont tombés si bas. L'Occident, la vérité c'est que l'Occident a tué l'homme noir sans toucher à un seul de ses cheveux. Beaucoup de fois, les jeunes me disent, « Eh bien, le guide, toujours tu dis ça. Tout ça est compliqué, on ne comprend pas. » On ne comprend pas. Comment les Blancs ont réussi à voler notre âme? Comment les Blancs ont réussi à voler l'âme du peuple noir? Eh bien, nous ne voulons pas que les Noirs se voient comme des victimes. Ce que nous voulons, c'est un réveil de conscience. C'est de donner la lumière au peuple. C'est de permettre au peuple africain de comprendre les mécanismes d'action des criminels colonisateurs. Ce que nous voulons, c'est de rétablir la vérité historique. Faire émerger une nouvelle jeunesse capable et digne de confiance. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabo. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabo. Le colonisateur va trouver le moyen de tuer le peuple noir sans toucher à un seul de ses cheveux. Ce moyen tant redoutable est le lavage de cerveau, l'une des plus grandes causes de la pauvreté du peuple noir. Alors, à partir du moment où toutes les preuves matérielles et physiques attestent que l'Afrique noire est non seulement la base de la création, mais que c'est elle qui a civilisé le reste du monde. Que devons-nous faire alors pour convaincre les Noirs à accepter l'idée selon laquelle ils sont tous des sous-hommes sans aucune valeur et donc des esclaves faits pour servir l'homme blanc?
La réponse à cette question va déterminer le plan diabolique destiné à détruire les peuples noirs. Et qui sont à la tête de cette entreprise diabolique? Ce sont les faux juifs blancs. Selon eux, il faut élaborer et appliquer un plan stratégique articulé autour de plusieurs plans d'action. Le premier plan d'action. Oui, mesdames et messieurs, le premier plan d'action. Eh bien, les noms des villes africaines de l'Antiquité ont été traduits dans les langues des Occidentaux, puis déplacés et attribués à des territoires situés en dehors de l'Afrique par les colons. Ensuite, les noms des territoires africains ont été changés par les colons par la suite. Le deuxième plan d'action. Oui, mesdames et messieurs, le deuxième plan d'action. Les Occidentaux ont changé la race des prophètes. À l'origine, tous les prophètes envoyés avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont noirs. Mais quand vous regardez le plan diabolique des Occidentaux, tous les prophètes sont blancs. Ils font des films de propagande et dans ces films, tous les prophètes sont blancs. Ensuite, ils ont changé tout concernant les prophètes. Ils ont changé leur lieu de résidence, leurs traditions et coutumes, leur mode de vie, leur arbre généalogique. Troisième plan d'action. Nous sommes dans l'épisode 11, l'histoire des Traoré. Troisième plan d'action. Eh bien, ils ont introduit des erreurs, des contradictions et des confusions dans les révélations faites aux prophètes. Mesdames et messieurs, voilà comment fonctionne le mécanisme colonial de l'aliénation culturelle. Tuer un peuple, détruire l'âme d'un peuple sans utiliser la violence. C'est le mode opératoire du lavage de cerveau. Mesdames et messieurs, chers abonnés, chers followers, voilà comment le nombre des enfants de Yacouba est passé de 13 à 12 enfants. Mesdames et messieurs, voilà comment nos prophètes qui sont à l'origine des Noirs sont tous devenus des Blancs aujourd'hui. Le mensonge est de masquer. Oui, mesdames et messieurs, chers followers, chers abonnés, le mensonge est démasqué. Il faut rétablir la vérité historique. Alors, le prophète Yacouba, l'un des premiers Traoré, est le père de 13 enfants qui formeront les 13 tribus d'Israël. Parmi les 13 enfants, il y a une seule fille qui s'appelle Mana Mboa Aya. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur, le dit Koulibaly depuis Dabou.